Hello, juste partager avec vous un complément de la dernière vidéo qui traite de la kryptonite du pervers narcissique. Je partage avec vous ce moment, il y a une coupure d'électricité ici dans mon quartier de résidence, ici à Yaoundé au Cameroun. Donc, je ne souffre pas seule, vous allez partager ça avec moi. Donc, ce que je voulais en fait partager, c'est une idée qui m'a traversée. Bon, dans la dernière vidéo, je vous ai parlé de la kryptonite, je vous ai parlé de votre authenticité en fait, votre authenticité. C'est-à-dire que c'est votre charisme en fait, c'est tout ce qu'il y a de naturel en vous, de tout ce qu'il y a de spontané en vous qui va brûler le pervers narcissique, vous voyez. Et donc, comment développer ça? J'ai amorcé ça dans la précédente vidéo. Il peut aussi, j'ai oublié de vous dire, quand il y a une forte pluie ici à Yaoundé au Cameroun, ben, il y a des coupures d'électricité. Je ne sais pas si vous entendez le bruit de la pluie. Donc je ferme la parenthèse. Donc j'étais en train de dire que le but ici, c'est de vous donner un supplément en ce qui concerne votre authenticité. Je vous ai donné des pistes à la dernière vidéo qui parle de la kryptonite, mais là maintenant, je veux partager avec vous deux points. Le premier point, c'est que pour développer justement sa kryptonite, c'est-à-dire son authenticité, en fait, quand on est en relation avec un pervers narcissique, vous devez vous asseoir avec vous-même. Moi, ce que j'avais fait et ce que je mets à jour régulièrement, c'est d'être au clair avec ce que je veux et ce que je ne veux pas. Ça a l'air de rien, ça a l'air banal, mais je vous invite à vous tous à faire cet exercice-là, de vous coacher vous-même. Vous prenez un cahier et vous tracez une colonne sur une page vierge. Et vous écrivez premier intitulé de la première colonne, ce que je veux. Premier intitulé de la dernière colonne, ce que je ne veux pas. Ça doit être clair dans votre tête. Quand bien même vous le réécrivez, vous devez l'écrire, le réécrire, jusqu'à ce que, c'est-à-dire que ça devienne un automatisme, que ça devienne aussi naturel que respirer ou que donner votre nom, vous comprenez. C'est-à-dire ça doit être imprégné dans votre mental. C'est pour ça que je dis qu'il faut l'écrire. La parole de Dieu dit, écris la vision, il faut écrire. Prends un bic, écris, remplis des pages et des pages. Si je vous montre mes cahiers, remplis des pages et des pages. Je veux si je ne veux pas ça, je veux si je ne veux pas ça. Ça doit être clair. Maintenant, vous avez développé ça, maintenant vous devez le mettre en pratique. C'est ça en fait être authentique. Être authentique, c'est être clair sur le plan pratique, dans ses faits, dans ses actes, dans ses comportements, dans ses agissements, dans ses paroles. C'est d'honorer, d'être clair et non négociable avec ce qu'on s'est défini. Si par exemple vous avez défini que vous là, vous ne voulez plus être impliqué dans une querelle avec un pervers narcissique. Ce n'est pas le pervers narcissique, parce que ce que vous devez savoir, c'est que vous le savez déjà d'ailleurs, le pervers narcissique n'est pas là pour respecter vos limites. Donc tout ce que je vous dis là, c'est pour vous-même. Ce n'est pas que vous allez vous lever, il faut respecter la règle d'or. La règle d'or dit quoi? La vidéo est intitulée La règle d'or. Qu'est-ce que je vous dis là-bas? On n'annonce pas, quand on tient, on ne raconte pas sa vie. Donc, ce n'est pas tout ce que je vous dis là, ce n'est pas que vous allez vous lever, vous allez trouver le pervers narcissique et lui dire que maintenant là, c'est bon, ça y est, j'ai décidé que maintenant je ne veux plus ça, je ne veux plus ça. Vous perdez votre temps parce que c'est justement ça qui va donc chercher à casser en vous, vous comprenez? Vous êtes en train juste de lui donner votre plan d'action, vous n'avez pas besoin de ça. Donc, ça, c'est une résolution que vous prenez avec vous-même. C'est un contrat, c'est un engagement que vous prenez avec vous-même. Et maintenant, donc, vous agissez tout simplement. Si vous avez dit que vous ne voulez plus être impliqué dans des querelles avec les pervers narcissiques, la Bible dit que dès que la querelle commence, retire-toi. Retire-toi. C'est ta responsabilité. Ce n'est pas au pervers narcissique. Lui, il n'a pas de limite. C'est un gamin. Il a l'âge mental d'un gamin de 7 ans. Tu comprends? Et ainsi de suite. Donc, ça va concerner tous les aspects de ta vie. Tu écris ce que tu veux, ce que tu ne veux pas, tu es clair avec. Ça, c'est le premier point que je voulais partager. Plus tu vas développer ça, plus tu vas pratiquer ça, plus tu vas t'exercer dans cela. Petit à petit, tu vas voir que ton charisme va se développer, ta vibration va s'élever et petit à petit, donc, le pervers narcissique sera mal à l'aise.
Bon, maintenant, je vous ai déjà dit que le processus, et ça c'est le deuxième point de cette vidéo et le dernier, le processus ici, là, ne vous attendez pas à une réponse minute, à une réaction minute. Quand je vous ai dit que c'est votre authenticité qui neutralise le pervers narcissique, ça ne se fait pas en 2 mois, parce que je vous vois déjà venir. Ce n'est pas un processus qui se fait en 2 mois. Hein? Vous entendez le bruit de la pluie? Il pleut. Donc, ça ne va pas se faire en 2 mois. Vraiment, pour moi, ça m'a pris des années. Donc, soyez patient avec vous-même. Parce qu'avant de rencontrer le pervers narcissique, vous étiez déjà cassé, vous comprenez. Et le pervers narcissique est encore venu vous casser. Donc, soyez patient. Mais je vous assure que ça vaut le coup. Et préparez-vous mentalement, vous le savez. Dans un premier temps, le pervers narcissique, blablabla, il va réagir, il va devenir 3 fois plus violent. Ça, je vous ai déjà dit ça. Soyez juste préparé. Mais si vous insistez, petit à petit, vous allez sentir cette plante qui va grandir en vous. Je vous ai parlé dans une de mes vidéos d'un arbre de vie. Il y a un arbre de vie qui va pousser en vous. Et petit à petit, avec le temps, vous allez juste constater que, comme je vous ai dit, le pervers narcissique va commencer à vous fuir. Il va vous fuir parce que vous allez dégager des ondes trop positives pour sa noirceur à lui. Et parce qu'il va réaliser qu'il ne peut plus vous infecter, vous comprenez. Donc, ça revient aussi à la vidéo que je vous avais parlé, qui était intitulée de comment... On ne marche pas avec un pervers narcissique. Parce que si vous êtes bien logique, vous comprenez que si ce que vous décidez de garder en vous, c'est la joie, forcément que parmi les méthodes que vous allez mettre en place, vous allez mettre une certaine distance entre le pervers narcissique et vous. Sinon, comment vous allez être tout le temps joyeux, vous comprenez. Donc ces mesures-là, quand vous allez les... Parce que vous avez dit qu'il faut être au clair avec ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, et être prêt justement à sévir et à poser des actes tangibles qui vont démontrer au pervers narcissique que vous n'êtes pas en train de jouer. Sans parler, je vous ai dit qu'avec le pervers narcissique, on ne balade pas, on agit. Voilà, donc voilà le complément que je voulais ajouter. Première des choses, être clair avec ce que vous voulez, non, vous ne voulez pas, et le respecter, ne s'en tenir qu'à cela. Et deuxième des choses, donner le temps au temps, mais surtout, c'est un processus permanent, chaque jour, et petit à petit, avec le temps, vous allez commencer à remarquer que le pervers narcissique va chercher de moins en moins votre compagnie parce que de moins en moins vous aurez des atomes crochus, de moins en moins vous aurez des choses en commun. Lui, il vient pour le drame, mais chaque fois qu'il viendra vers vous, il ne trouvera plus ces graines de drame-là en vous. Vous comprenez? Il va essayer de les semer, mais il ne va plus les retrouver. Jésus, quand il s'apprêtait à aller à la croix, a dit, voici le prince de ce monde vient vers moi et je n'ai rien, il n'a rien de lui en moi. C'est ça en fait, c'est-à-dire que voici le pervers narcissique qui est en train d'arriver. Mais en fait, quand je me scanne, il n'y a rien qui lui appartient à moi. Vous devez arriver, vous devez travailler et arriver à ce niveau-là, qu'il n'y a aucune graine, aucune pépite qui ressemble au drame, à l'horreur, à la peur, à la colère, à la rancune, à la haine, tout ça du pervers narcissique, non. Mais qu'on trouve, que vous trouviez plutôt en vous de la paix, de la joie, de voilà, tout ce qu'il y a de beau, c'est tout ce que je puisse vous souhaiter. Voilà, c'était juste un complément de réflexion. Si vous souhaitez faire un pas de plus, vous pouvez me contacter par mon adresse Gmail ou par ma messagerie Facebook, sur ma page Facebook pour un coaching. Ce sera un plaisir de vous suivre en one-to-one. Sinon, je vous souhaite une belle nuit et je continue de profiter de ma pluie et de cette coupure d'électricité. Ciao, ciao, au revoir.